Hello, hello, Telma TLC. Donc j'avais dit je ferai une vidéo très courte pour pas que ça dure 1 heure à charger sur YouTube pour montrer le texturage un peu plus près parce que sur photo c'est pas forcément tip top. Je suis plutôt content cette fois-ci, vraiment. Ouais, je suis content. J'ai le texturé que je voulais. Ça commence à prendre forme. On en chie un peu, mais bon. Donc dans le fond, en haut, il y aura la cascade qui va être en agrossissant jusque là-dedans, qui retombera bien sur le côté. Le dragon avec sa fée au milieu dans la grotte. On va maintenant, on va bientôt s'attaquer à toute la partie là. Tout ce qui est poli, de toute façon, je pense que je vais recouvrir pour refaire mon texturé là. En gros, un peu partout. Quelque peu de plus en plus gros, plus affiné, plus petit jusque sur le haut. Il y aura du floral qui sera dans le même principe, du plus petit au plus grand devant. Avec, j'aimerais bien normalement une grosse fleur qui va arriver ici pour pouvoir poser une fée à l'intérieur ici là. Ça va être en gros en torsaté en queue de cochon jusque sur le haut. En haut, c'est encore à y réfléchir. Non, c'est. J'ai mis ça tout à l'heure, ça va pas sur le décor, c'est pour mettre tout à l'heure Milo. Donc, tout ce qui va être blanc, je pense que je vais recouvrir et refaire sur le même principe. Maintenant, voilà, tant qu'à faire. Et après, on attaquera ce fameux trompe-l'œil qui va être pas si simple à faire pour donner vraiment de la profondeur là-bas. Donc, voilà, petite vidéo assez courte, ça changera. Bon, pas de sud beaucoup, je pense que là, je vais pas tarder à avoir une commande à reprendre, donc du coup, on va remettre un peu en stand-by. Mais bon, ça a bien avancé, je suis plutôt content. Bon, allez, ciao les potos!